L'information est un savoir. L'information, c'est le pouvoir. Radio Téléproche vous permet de comprendre, d'entendre et de voir. Voir le monde, le pays et votre entourage. Dans une quête d'objectivité permanente, chaque jour, les nouvelles sur Radio Téléproche vous transmettent le vrai pouvoir. 7h AM, midi, 7h PM. Nous vous développons l'actualité avec la meilleure équipe sur le cadran. Sur tous les médias modernes, radio, télévision, réseaux sociaux et plus, accrochez-vous. Le monde tourne continuellement. Radio Téléproche, la stabilité sur la balance de l'actualité. Jeudi 25 juillet 2024. Madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. C'est quatrième et avant-dernière sortie émission Paula. Journal Paula qui arrive à la caillou. Il y a un journal qui s'œuvre toute équipe salle rédaction en coordination supervision. C'est docteur Yves Wassonnier qui a assuré la mise en ordre là. Il est assuré par Wensley lui. Micro-présentation comme d'habitude, amis pour eux. Oui, nous avons église ensemble qui est là. Bon jeudi. Bonjour, M. Lissonoua, bonjour, bonsoir, Wensley, lui, bonjour, bonsoir tout le monde. Mais ensemble, deux points qui vont le faire essentiel, le journal, ça, on va rapide matin, même tonton. Ministre Affaires étrangères, Dominique Dupuis, rencontré hier, mercredi 24 juillet 2024, là, avec le ministre de la Santé publique, avec la population, Dr. Georges Fils-Brignol, avec le Dr. Oscar Barenetch, représentant organisation panaméricaine santé OPS OMS en Haïti, discussion était concentrée sur présence possible maladie charbon dans pays d'Haïti. À travers une note ministère santé publique avec population mettez d'ailleurs yo fait qu'on est dans date qui était 12 juillet 2024 là l'ité gagnon alerte sous cas maladie qui représentait sinat symptômes qui ca montrer présence maladie charbon dans localité Fort Royal dans première section communale Tigouave. Ministère des Travaux publics, transport et communication, mande moun qui habite dans centre ville Port-au-Prince en zone qui déclaré d'utilité publique yo pour capable vider espace MTPTCA ba yo yon période de 8 jours pour faire ça. Yon cellule anti-gang qui composé de la justice, agent police, judiciaire et autorité locale, établi dans juridiction Croix-des-Bouquets, Gonaïves et Port-au-Prince, dans l'état d'urgence en sécurité, d'après yon circulaire, ministère de la justice et sécurité publique, rendu public. Groupe armé qui situé dans la commune Cité Soleil d'accord pour suspendre tirer gang rival sa yo rive joine yon akon la paix
pour yo pas pour yo mettre fin dans conflit yo d'après ancien magistrat Isaïe Bouchard qui a annoncé ça hier mercredi à sous Radio Galaxy. Résident yo content à la nouvelle ça parce que kounia yo ka déplacé libre et libre dans 34 quartiers qui dans municipalité si là. Gang kaze barrière vite l'homme innocent a dirigé attaqué gang 400 marozo sous galette rivière grise chef gang vite l'homme besoin tourner dans base li kichita l'autre bord galette roche blanche mais chef gang l'en mort sans jour pas vle ça qui mettait des foyers gang sa yo face à face. Premier ministre Dr Gary Conille t'est rencontré avec un représentant réseau national média sur internet Renamel avec association média internet haïtien AHAHML sous crise socio-sécurité pays a objectif là c'est objectif là c'était pour capable réunir sur ça qui t'est créé un espace pour discussion entre médias sur internet avec gouvernement. D'après ça, Premier ministre Gary Conille t'a fait. Ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural qui gen en tête li Vierner Joseph te rencontré hier mercredi 24 juillet 2024 lan ak nouveau représentant résident FAO en Haïti Pierre Gérard Vautier yo te chita tande sous développement ak renforcement secteur agricole la en Haïti. Fondation Zanmi Timoun te présenté jour qui te m'a dit à rapport li sur situation droit Timoun nan pays d'Haïti sous premier moitié année 2024 là pendant une conférence pour la presse organisation a te dévoilé impact en insécurité à sous Timoun qui vivent nan pays d'Haïti. Nan tête yon délégation au ministère affaires femmes ak droit femmes yo MCFDF qui gen en tête li ministre Marie-Françoise Suzan te visite femme qui nan prison civile Delma 33 mardi qui était 23 juillet 2024 là visite ça te gen la dan yon clinique mobile qui était organisé nan avantage mesdames yo qui nan prison. Et puis information qui sorti de l'autre bord de l'eau pendant une discussion nan bureau ovale qui trouvé là nan Maison Blanche nan président américain Joe Biden dit hier mercredi à dans la soirée que les places passent flambeaux bayon nouveau génération c'est ça qui expliquait retrait candidature pour élection présidentielle américaine cap fait en novembre cap venir là. Voilà madame monsieur 62.5 plusieurs autres qui va faire essentiel journal pour là pour journée jeudi 25 juillet 2024 là le temps pour nous observer un coup de pause dans vitre de brancher n'a tourné. Proche café au lait, le mélange entre l'information d'ici bas et d'ailleurs, le savoir-faire et dire, culture, consultation, doléances, politique, débat, micro ouvert, une bonne tasse de café au lait le matin pour se réveiller. Cela aide à réduire la pression, remonte le moral et permet de se détendre. Savourez chaque matin du lundi au vendredi de 7h à 10h. Proche café au lait. Sur nos différents canaux de diffusion. Versez du café, du lait. Proche café au lait. L'information est un savoir. L'information, c'est le pouvoir. Radio Téléproche vous permet de comprendre, d'entendre et de voir. Voir le monde, le pays et votre entourage. Dans une quête d'objectivité permanente, chaque jour, les nouvelles sur Radio Téléproche vous transmettent le vrai pouvoir. 7h AM, midi, 7h PM. Nous vous développons l'actualité avec la meilleure équipe sur le cadre. Sur tous les médias modernes, radio, télévision, réseaux sociaux et plus, accrochez-vous. Le monde tourne continuellement. Radio Téléproche, la stabilité sur la balance de l'actualité. Monsieur Lofago, bonjour pour nous tous. Bienvenue dans le développement journal. Kakou Jantete là, ministre des Affaires étrangères et religieuses, qui s'est Dominique Dupuy rencontré hier mercredi 24 juillet 2024 là, avec ministre de la Santé publique et population, Dr Georges Fils Brignol, avec Dr Oscar Barinech, représentant organisation panaméricaine de santé OPS, OMS en Haïti.
Il a discuté sur les urgences gouvernement mettre en place pour capable combattre la maladie Chaboua qui a annoncé dans le pays. Le ministère de la Santé publique et la population lancé un avertissement sur 10 cas suspects qui ont enregistré dans le pays. Dans le dernier jour, Mme Dupuis a annoncé qu'elle a tout pris toutes les mesures nécessaires pour traiter moun ki infecté yo, fait décontamination zone concernée yo, vacciner bet yo ak renforcé yon campagne sensibilisation santé. Toujours dans ça qui gen a wè ak problème maladie santé ça, nous parler dans Tigouave. Pour nous parler des maladies charbon ça à travers yon note ministère santé publique ak population yo fait connait dans date qui était 12 juillet 2024 là yo te jwenn yon alerte sou ka maladie qui présentait signe ak symptôme qui ka montré présence en maladie charbon dans localité Fort Royal la première section communale Tigouave. Département santé l'ouest là te fait yon rapport qui révélait que ka sa yo te rivé après plusieurs moun te consommer viande yon bête qui te mouri brut soukou. Yon enquête épidémiologique te fait nan l'idée pour identifier source infection an, évaluer limite li et puis mettre en application mezi prévention ak contrôle approprié. Devant situation ça, ministère santé publique ak population an invite population pour éviter n'importe contact avec bête qui mouri brut soukou ou soit qui malade. Immédiatement yo vous consulter un professionnel santé si gen symptômes tant que noir il sert sans couleur et sans douleur et paraître sous peau et puis rapporter autorité santé locale sous n'importe cas suspect maladie charbon dans zone côtoyer. Lavez mes mains régulièrement avec de l'eau et savon, surtout après leur fin manger yon bête ou soit manger yon bête manger yon bête ou soit manger bête et puis bay bête yo vaccin contre maladie charbon côté kasa yo te rapporté déjà nan Tigouave c'est gen moun ki te mouri et ben semblé présence et maladie charbon li visible nan Tigouave. Yon cellule anti-gang qui composé de la justice, agent police judiciaire à autorité locale yo tabli yon juridiction nan Croix des Bouquets Gonaïve à Port-au-Prince nan cadre état d'urgence sécurité d'après yon circulaire ministère justice à sécurité publique. Non même si qu'il est ça mettre les sonnoir dans l'idée pour lutter contre criminalité en gouvernement fait connait yo pral gain plusieurs points qui noté non et si qu'il est ça qui publié par ministère santé et non par ministère la justice ak sécurité publique yo fait connait celui là li gain pouvoir pour interdire feux d'artifice pour effectuer perquisition la journée coulant nuit et suspend besoin permis et pour permis d'amafé li gen droit pour permis pour d'amafé saisi machine qui sans plaque et puis interdit publication réunion qui pas nécessaire et puis ou bien réunion qu'a fait dans nuit et bien mezi ça inscrit dans cadre l'état d'urgence sécuritaire qui déclaré dans date qui était 17 juillet 2024 là. N'a fon coup de pied dans Cité Soleil pour nous dire que dans Cité Soleil chef en gang dans Pigo Bidonville pays a choisi faire la paix dans mitan yo gang rival sa yo joine yon accord la paix pour yo mettre fin dans conflit yo d'après sa ancien magistrat Kovin Sadi qui c'est Esaïe Bouchard qui a annoncé ça hier mercredi à sous Radio Galaxy. Image qui a circulé sur les réseaux sociaux montre plusieurs monde qui prend la rive pour capable manifester contentement après finir recevoir nouvelle ça parce que qu'on y a capable déplacer libre et libre dans 34 quartiers dans municipalité à Monsayout qui est sorti dans Brooklyn dans et Carrefour devant ancien commissariat PNH à plusieurs et après plusieurs années sans yo pas capable passer dans zone si là groupe Genève quartier Boston à Belécou te kon bloqué presque toute sortie Pigou dans quartier Cité Soleil yo Brooklyn pendant yo tenant Goumen à groupe Ti Gabriel là
Jimmy Cherizier, alias Barbecue, et Mathias Saint-Hilaire, groupe anti-Gabriel, a été visité et quelqu'un va hier mercredi. Il y a plusieurs vannes dans la zone. Ministère travaux publics, transport et communication qui sorti une note publique, en date qui était 24 juillet 2024 là, dans communiqué ça nous capable dans cadre application arrêté 17 juillet 2024 là sous état d'urgence sécuritaire dans 14 communes dans département l'Ouest avec la Tibonite pays gouvernement république là rappelé avec occupant yo particulièrement moun ki nan centre-ville Port-au-Prince et qui dans centre-ville Port-au-Prince qui n'ont arrêté qui était publié dans journal Le Moniteur numéro 46 vendredi qui était 1er juin 2012 là il déclaré espace d'utilité publique et propriétaire ça yo dans l'air dans l'air métropolitaine pour yo et qui c'est axe boulevard Harry Truman ak axe rue Joseph Janvier ligne de démarcation et qui allongé et axe rue Joseph Janvier ak axe qui nan rue magasin de l'État et nan direction l'est suivant axe cap suivre axe rue magasin de l'État et cap prendre direction nord jusqu'à lieu îlot qui situé dans axe rue Saint-Honoré avec axe rue Champ de Mars ligne ça qui suivent axe rue Henry jusqu'à rue de l'Enterrement pour construction édifice institution publique et ben qui était détruit pendant séisme pendant tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Et nan toujours dans notre salle, il fait connaître propriétaire qui non identifié, qui non indemnisé et qui forcé pour yo forcé abandonner kayo, yo gen obligation pour yo fournir un titre propriétaire mais qu'a finalisé processus indemnisation ça et pendant y attend et ben conséquence yo yo mandé avec tout occupant qui nan rue sa yo pour yo quitter espace ça et trois blocs sa yo nan l'idée pour yo cap yo ba yo disons yo ba yo délai 8 jours francs et ben pour yo quitter espace ça après publication communiqué ça toujours bloc qui cité dans notre travaux public là il parlait de Bonnet au nord dans rue de la justice Bonnet au sud dans rue Saint-Honoré Bonnet à l'est dans rue Monseigneur Guillou Bonnet à l'ouest dans rue Réunion et bloc qui Bonnet au nord dans rue Saint-Honoré li Bonnet au sud et dans rue Joseph Janvier Libonné dans l'est dans rue Monseigneur Guillou et Libonné dans l'ouest dans rue de la Réunion et pour bloc Erland Libonné dans nord dans rue Joseph Janvier et Libonné dans sud dans rue Chavanne d'après notre ministère santé publique santé et ministère travaux publics transport et communication yo bay yon délai 8 jours et ben pour occupant qui dans centre-ville Port-au-Prince pour yo bay espace là pressé. N'a quitté la capitale là pour nous rentrer dans la commune Grissé. Pour nous dire dans Grissé, la police nationale a toujours continué à toquer Conny avec un bandit. Plusieurs douzaines de bandits ont mouru dans l'échange de Kouzama avec la police. Même la population dans la section communale Tiboukan défend tête avec Bois Calé, magistrat commune Grissé, Jean-Vladimir Bertrand qui a parlé sur Radio Galaxy dit qu'on y a ville fermée pour trafic machine pour capable permettre. La police continue à poursuivre bandits dans le dernier rangement. Information fait qu'on est la police libéré 23 femmes que bandits ont kidnappées et puis violées. N'a pas quitté commune Grissé pour aller dans Torsel côté Moun Torsel Bapenier Marécage Châtenay Chambon Château Blanc et nan Sicrin et Bodui et Baout Frère passé un mauvais moment à côte balle cap chanté à cause des foyers gang tap toke konyo hier mercredi 24 juillet 2024 là information fait connait gang crasé barrière vite l'homme innocent a dirigé attaqué gang 400 marozo dans zone rivière grise chef gang vite l'homme innocent qui t'a besoin pour retourner dans base li Kishita l'autre
galette roche blanche, mais chef gang Lamor sans jour pas décidé de laisser passer. Alors que chef Kaze Barrière besoin pour déplacer Basli qui dans Torcel pour tourner dans ancien Basli qui l'autre bord galette là. Il fait connait et gagner et tout qui alors qui nan dou et qui yo bay non qui relé Dubaï ça la cause en pile bal tap tiré nan mitan des fois et gang yo côté population an té mandé concours la police ak force l'armée d'Haïti. Question rencontre gagné premier ministre là docteur Gary Koni qui t'est rencontré ak représentant réseau national média sur internet la Renamel ak association média internet haïtien AHML sous crise socio-sécurité pays a objectif réunion ça c'est pour être capable créer un espace pour discussion entre média sur internet yo ak gouvernement. Explication docteur Gary Koni. Succès état d'urgence en sécurité a dépend et pendant la transition dépend tout de en partie de la presse à ca média sur internet yo pour chef gouvernement média sur internet yo à ca influent yo gagnent gros importance dans résoudre crise socio-sécurité actuelle pays a connaît il a poursuivre vous dit si un citoyen a ca un engagement socio-professionnel pour auto-réglementer à qu'on prend responsabilité devant crise mondiale cap envahi nous en Haïti pour couler. Toujours dans ça qui gagne ouais à Krokot, premier ministre docteur Gary Koni te rencontré avec représentant réseau national. Toujours dans ça qui gagne ouais à Krokot, c'est votre ministère agriculture ressources naturelles et développement rural. Qui est en tête lui, Viernais Joseph, rencontré hier mercredi 24 juillet 2024 là, avec nouveau représentant résident FAO en Haïti, qui c'est Pierre Gérard Vautier. Pendant la rencontre, si la représentant résident a réaffirmé engagement FAO pour le travail ensemble avec l'autorité gouvernementale pour le développement et renforcement du secteur agricole. Ce qui est nécessaire pour revitaliser les relations et ministères avec FAO. Représentant FAO a renouvelé engagement lui-même pour répondre efficacement à l'attente ministère agriculture ressources naturelles et puis promettre pour le travail dans ligne action gouvernement défini. Zami Timon dans un rapport fondation Zami Timon te présenté jour qui te m'a dit à pour période sorti janvier rivé juin 2024 là côté li dit droit Timon yo violé à cause insécurité a qui affecté directement économie pays à situation ça qui décapitaliser famille par sans conséquence sur santé et bien-être timounio d'après explication Bernard Félix responsable intervention et réintégration fondation dans rapport ça licité yon rapport UNICEF qui te fait connaître timounio ses principales victimes crise cap saccager pays à UNICEF a été noté côté gagné 314 000 timoun qui déplacés en Haïti à cause question insécurité a quantité timoun sa yo yo estimé à 170 000 à plus passer 3 millions timoun qui besoin aide humanitaire dans pays a rapport fondation fait remarquer tout plusieurs espaces jouette pour timoun yo et fermé à quantité de timoun qui perdit droit éducation à la santé à cause question insécurité à un rapport zami timoun li dit li identifié plus passé 300 timoun dans centre transport Beladea et pendant premier 6 mois l'année 2024 là en plus de ça monsieur Félix a attiré attention l'état sous condition détention timounio dans centre Delma 33 li kwè yo pas respecté exigence internationale sur détention timounio li mande autorité yo pour capable agir en conséquence. N'a pas quitté zami timoun pour parler de visite qui était faite dans prison côté ministre affaires femmes ak droit femme yo ministre Marie Françoise
Ministre Affaires Femmes et Droits Femmes, ministre Marie-Françoise Suzanne, qui dit qu'il voulait prêter les oreilles attentives à les prisonniers pendant le mandat. Il a visité les femmes qui sont en prison civile d'Elma 33, mardi 23 juillet 2024. La visite ça, il a eu la dernière clinique mobile qui était organisée dans l'avantage mesdames dans la prison. Et puis, il a planifié l'autre activité pour supporter 152 prisonnières, yo la donne gagné 140 femmes et gagné 12 filles. Madame Suzanne bay prisonnier yo assurance que doléances yo pral transmettre bay chef gouvernement qui a fait effort pour améliorer condition la vie et dans 100 ans détention yo. Là pour continuer merci et félicite pour attention que vous accordez à ce passage ça nous pour aller la page internationale journal là plus précisément dans pays tonton Sam pour nous dire pendant un discours dans bureau ovale la maison blanche là président américain qui c'est Joe Biden il dit hier mercredi dans la soirée que il passait flambeau à une nouvelle génération c'est ça qui expliquait retrait candidature pour élection présidentielle américaine. Dans le discours, il dit, moi respecte le bureau, ça, mais moi remets le pays, plus plus toujours. Joe Biden, qui est le plus ancien président dans l'histoire du pays États-Unis, a annoncé dimanche qu'il mettait fin dans la campagne de réélection, alors que y a une quantité élue qui sorti dans le Parti démocrate. Là, pas de quoi dans la capacité là pour le capable de battre le républicain Donald Trump. Moi, j'ai décidé. Puis bonne façon pour m'avancer, c'est passer Fambloa bail une nouvelle génération. Ça, c'est plus bonne façon pour porter pays noir ensemble. Ça, c'est déclaration président américain hier soir, Ivna, dans le bureau ovale, la Maison Blanche. N'a pas continuer remercier tout le monde pour fidélité à attention à Codé à Catène Radio Téléproche n'a salé d'une façon spéciale Miguel Fisalsis qui était fêté hier et qui était fêté anniversaire lui et n'a profité pour nous saluer monsieur Guy Clairvaux n'a salué Nelville Waterman aux André Jean-Baptiste et n'a salué Johnny Poliscar de Chili n'a salué tous amis yo Jacques Sanon qui toujours là ensemble avec nous dans émission Café au lait et amis yo qui sont 99 Jodi, on a gagné avec nous comme invité et c'est et magistrat et commune Gressier hein, et une toi magistrat en après commune Gressier qui c'est Jean Félix et Jean Aubert c'est avec lui n'a gagné pour nous voir et situation et dans commune Gressier le temps mettre les sous noirs pour nous rejoindre invité nous et qui c'est magistrat en après commune Gressier en font parler non de maladie charbon n'a gagné pour nous recevoir un spécialiste et qui gère affaire question épidémiologique là qui c'est docteur Basler mais c'est émission ça c'est pour demain et jeudi hein, et nous te gagnons à l'aide qui était déjà bail dans Gouave côté gagné deux monde qui étaient mouri avec maladie charbon t'es gagné et d'après alors t'es gagné sous place et ministère alors monde qui responsable santé yo t'es gagné aller sous place puis t'es connait puis t'es ouais et vérifier avec géo est-ce que c'est cause maladie charbon dans République dominicaine nous ouais ça qui passé côté citoyen haïtien au pas de traverser frontière à cause possible maladie charbon effectivement dans Tigouave et autorité la santé yo détecté sin ak symptôme maladie charbon et magistrat assemblé et prêt la remettre les sonnants n'a fait là n'a tout entré droite OK nous pral gen ensemble avec nous magistrat en après commune Gressier qui c'est Jean-Félix Jean Aubert c'est avec lui jodi nous pral wè actualité a dans commune Gressier comment ça y est gagnen et bilan qui bail gen bilan qui fait konnen gagnen pour pipiti 70 et badi et ben qui fait voile pour pays chan chapeau information fait konnen gagnen à peu près 23 et femmes yo kidnappé et la police t'est arrivé libéré yo. Bonjour magistrat Jean-Félix, ou ensemble avec nous dans l'émission Café au lait. C'est un plaisir pour nous recevoir au matin dans l'émission Café au lait. Je salue tous les auditeurs, auditrices radio. Et qui a écouté. Radio, télé. Proche. Ok. Et